raconter comment j'ai connu à Dieu et pourquoi j'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai perdu ma compagne en 2004. Je n'étais pas chrétien. J'allais souvent écouter la parole de Dieu, mais je n'étais pas chrétien. J'ai mon frère pasteur, Juan. Quand j'avais perdu ma femme en 2004, mon frère m'avait dit, viens avec moi à l'église et tu verras que Dieu va t'aider. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé, Seigneur. Et ça faisait 5 ou 6, une semaine ou 2 semaines après, j'avais écouté la prédication de Lazare, qu'il avait ressuscité Lazare. Et ça, c'est resté gravé dans mon cœur. Je venais de perdre ma compagne et j'avais cette assurance dans mon cœur et je lui demandais tous les jours de la ressusciter, de me la redonner. Et ça, c'était tous les jours parce que j'allais au cimetière et ça durait 6 ou 7 mois. Et toujours, je lui demandais la même chose. Et un jour, j'ai reçu l'Esprit de Dieu en moi. Et je ne savais pas d'où ça me venait, cette joie. Et j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui à moi? Et Dieu m'a répondu, je te la donnerai un jour, moi. Mais pas comme tu me la demandes, toi. Et je remercie à Dieu aujourd'hui pour l'assurance qu'il a mis dans mon cœur. Et je quitterai à Dieu pour rien au monde. Je remercie à Dieu et à vous tous, mes frères et sœurs. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen.